Bonjour à tous, ici Deman et bienvenue dans le sixième épisode du mois Game Boy Advance de Du Passé Faisons Tabassage. Aujourd'hui, on va vous présenter un jeu qui est excellent. C'est une des grandes séries de Nintendo et c'est le septième épisode de cette série, mais le premier à sortir à l'international. Donc, pour l'ensemble du monde non japonais, c'est le premier. Il s'agit de Fire Emblem, qui est un tactical RPG placé dans un univers médiéval qui a donc déjà été développé dans 6 autres jeux avant et par moult d'autres jeux après. C'est une licence phare, il y a eu plein d'épisodes et pour cause, c'est un jeu qui est très bon avec un système très intéressant. Et donc on va se jeter sans plus tarder là-dedans. C'est parti pour Fire Emblem. Oui, il est sorti en 2004, j'oublie de le préciser. Et donc édité par Nintendo et développé par Intelligent System, qui sont également les développeurs de la Sega Metroid. Et chronologiquement, ça se passe 20 ans avant les épisodes des... Enfin, les aventures des anciens épisodes. Donc voilà, il y a très longtemps, il y avait des dragons, les humains ont tué les dragons, le monde est régi par différents royaumes qui sont plus ou moins en paix, des fois en guerre entre eux, mais de plus en plus des nations qui autrefois étaient paisibles commencent à devenir bellicistes. Il semblerait qu'il y ait une organisation secrète qui agisse dans l'ombre, dressant les monarques les uns contre les autres dans le but de créer la guerre pour pouvoir résoudre une ancienne prophétie et permettre le retour des dragons. Mais ça, on ne le sait pas encore. On se retrouve dans la peau d'un stratège itinérant sans voix. On ne parlera pas dans cette aventure, mais les personnages, eux, nous parleront. Et donc, qui se trouve perdu dans la campagne et qui est récupéré par Lynn. Je vais au contact, je choisis d'attaquer. Et on va avoir différentes armes. Donc là, j'ai l'épée de fer. Donc il y a certaines caractéristiques que vous voyez à droite et qui a 46 utilisations. Les épées, les armes perdent en durabilité au fur et à mesure qu'on attaque avec. Et donc là on a un tableau qui va nous donner le match-up en fait de ces combats d'épée. Enfin du combat qui va avoir lieu. Donc vous voyez que l'ennemi a 20 points de vie, moi j'en ai 16. Il a 10 en force, donc il va m'enlever 10 points de vie. Moi j'ai 7 mais je vais frapper deux fois. Il a 39 de précision, j'ai 100 de précision, 0% de chance de critique, moi 3% de chance de critique. Et il a une hache et moi une épée. Et va y avoir un système de pierre-feuille-ciseaux où les épées vont être fortes contre les haches contre les lances et les lances contre les épées. Et donc en fonction de l'arme que manie votre adversaire, vous avez tout intérêt à changer d'arme. On a également des objets pour se soigner, donc notamment une potion. Donc il va y avoir des petits dialogues évidemment, histoire de dramatiser tout ça. Et mon personnage gagne de l'expérience et va pouvoir monter en niveau pour devenir plus fort. Et je monte de niveau. Donc mes stats augmentent. L'histoire va être très importante, c'est un tactical RPG japonais, il va y avoir énormément de dialogues. Et il va y avoir des dialogues y compris au sein des missions, on va pouvoir aller discuter avec les personnages. Et là nous allons justement faire connaissance avec de nouveaux combattants, donc eux qui sont donnés par le scénario. Donc nos deux chevaliers, Sein, le dragueur forceur un peu à la cool mais pas méchant. Et bien sûr Kent, le chevalier balai dans le cul, le devoir c'est hyper important, soyez sérieux, la vie pour l'honneur, etc. Honnêtement l'histoire est vraiment intéressante, les personnages développent des relations entre eux, ils vont pouvoir discuter entre eux, entre les missions, pendant les missions, au campement, etc. Et donc là, on va nous introduire justement à la faiblesse de la lance face à la hache, qui va entraîner une diminution de précision et de l'esquive de ma part. Mais l'adversaire est dans une forêt. Vous devez être plus attentif, l'ennemi est caché dans les bois. Avec toutes ces branches, ce n'est pas évident d'atteindre sa cible, non? Vous avez raison, j'étais si concentré sur l'attaque que je n'ai pas fait attention. Tous nos personnages vont nous suivre au fur et à mesure, vont monter en niveau, gagner en puissance, etc. Les personnages, lorsqu'ils arrivent à 0 point de vie, sont décédés, mais ils sont décédés pour toujours en fait. Il n'y a pas de... À la prochaine mission, ils reviennent, etc. C'est vraiment un jeu de ouf. Hein. Encore une fois, on n'aura pas le temps de voir grand-chose, mais c'est vraiment stylé. La manicette est une épée protégée par des pouvoirs sacrés. Elle ne peut quitter l'hôtel où elle repose. Stupide vieux, à quoi bon avoir une épée si on peut pas l'utiliser? L'utiliser au combat, quel sacrilège! Un de Kriez, je suis glace, mon nom inspirateur divine, je manie l'épée comme personne, j'obtiens toujours ce que je veux. Laisse-moi passer à présent. Donc on peut visiter les maisons pour en apprendre plus et des fois rencontrer des gens. Il y a également des magasins, on va pouvoir acheter du matos. On va avoir des arènes de combat où
En fait, pendant qu'il y a la guerre dehors, nous on peut aller au Colisée pour affronter les adversaires, monter en niveau et gagner de l'argent. Et il y a des forts qui vont nous permettre d'avoir des avantages de défense beaucoup plus importants que les forêts, qui vont nous permettre également de nous régénérer lorsqu'on commence un tour dessus. Si je le faisais maintenant, je torcherais le truc, hein, je ne sais pas, mais... Voilà, nous avons ouvert ce mur. Et donc nous allons nous engouffrer... L'épée, elle flamboie. Extraordinaire, ce sont les esprits, Lynn, ils vous ont jugé digne, ils vous appellent. Qu'est-ce que ça veut dire? L'épée a choisi son maître, la manicatie est à vous. Non, je ne peux pas, je ne pourrai. Il s'agit de sauver l'épée, si vous voulez des preuves, dégainez-la de son fourreau. Donc là, nous avons des villages qui vont être détruits par les bandits. Donc nous, on va aller prévenir les gens que les bandits arrivent pour qu'ils se barricadent. Et ils vont nous récompenser. Et nous avons un archer en plus. Donc nous avons un archer qui va nous permettre d'atteindre des cibles à distance. Et donc de ne pas avoir d'attaque de répartie. Et nous avons Florina, la guerrière Pégase, qui donc peut voler, donc franchir toutes les cases sans avoir de handicap. Mais qui par contre va être hyper faible. Et en général, je la perds dans la mission où je la récupère. J'ai jamais réussi à la garder en vie très longtemps, parce qu'elle est vraiment squishy as fuck. Cette jeune fille nous remercie de l'avoir prévenue et nous donne 2000 écus qu'on va pouvoir utiliser au magasin en bas à droite. Par la suite, on aura également des mages blancs qui vont nous soigner, des mages noirs, des mages élémentaux qui vont être plus efficaces, qui vont être efficaces contre les mages noirs, je crois, je sais plus. Des bardes qui vont nous permettre de jouer plusieurs fois en nous chantant des mélodie entraînante, etc. Tous les personnages sont assez développés, donc tu vas apprendre à les apprécier. Et donc là, on a le magasin d'armes où on va pouvoir acheter alors des épées de fer, des lances de fer, on a déjà tout ce qu'il faut. Mais je vous recommande fortement ce jeu, il est vraiment super stylé. J'ai pas joué à ses suites. Il y a des versions Wii, il y a des versions DS, il y a des versions Wii U, certainement Switch, je sais pas. Mais honnêtement, c'est des jeux vraiment cool. Ah voilà, donc elle a perdu son mari qui cherche de l'argent pour la soigner et qui est très influençable. Il s'appelle Dorcas. Et toi, ton nom est Dorcas, c'est ça? Et on a Dorcas qui est donc son mari et à qui on va essayer d'aller parler, bah, tout simplement pour lui dire d'être con, il y a ta femme et t'as pas envie d'être un fils de pute devant ta femme. Et donc voilà, là on nous introduit au fait que on va pouvoir discuter avec certains personnages, même s'ils sont nos ennemis. Vous, seriez-vous Dorcas? Comment connaissez-vous? Je comprends. Je ne peux pas faire ça. Je dois me séparer de ces bandits. Vraiment? Oui, vraiment. Et je veux vous remercier d'avoir pris soin de Nathalie. Laissez-moi me battre avec vous. Et voilà, nous avons un nouveau personnage qui nous rejoint. Sinon, oui, j'ai pas du tout parlé du côté technique, mais... Alors, graphiquement, c'est... Ça fait très NES en fait, vraiment des sprites old school, peu détaillés, animés en 2-3 frames. Donc ça fait vraiment rétro, plus que le Final Fantasy Tactics Advance qu'on a vu la dernière fois. Il y a peu de frames dans les animations de combat, mais elles sont assez stylisées. Et globalement ça va être tout le jeu qui va être comme ça, c'est-à-dire c'est pas le feu en termes de graphisme, mais tout a un certain cachet, c'est coloré, c'est pas mal foutu en termes de DA, etc. Et en termes de musique, les musiques sont intéressantes, même si elles font aussi un peu dater. C'est pas au niveau de ce qu'on peut retrouver ailleurs sur Game Boy. Ils ont finalement fait une brèche ici, mais il n'y a plus personne pour l'utiliser. Et on va vous remercier, messieurs, dames, d'avoir suivi ce 6e épisode du mois Game Boy Advance sur Du Passé Faisant Tabassage, où nous avons joué à Fire Emblem. Un très bon tactical RPG qui est une licence phare de Nintendo, même si un peu moins connue du grand public que Mario, Zelda, etc. Et en parlant de Mario, Zelda, etc., on se retrouve dans quelques jours pour le 7e épisode. Merci à tous, c'était Demon, et à la prochaine.